Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo accompagnée de Myriam et de Younes. Yo, hey, il fait trop beau. Une vidéo, c'est parfait. C'est la canicule. Là, ils sont contents, mais vous allez voir que dans quelques instants, ils seront pas du tout contents. Le concept, il est simple. Il va y avoir un de vous deux qui va être trop bien et l'autre qui va pas du tout être bien. Oh là là, bah toi t'es pas bien et moi je suis bien. Déjà, est-ce que vous avez faim? Non. Est-ce que vous avez faim déjà? Mais ouais, oui. On a faim, frère. On a la dalle. Et bah y en a un. Attends, mais tu le dis quoi dans l'oreille? Non, rien. Laisse tomber. T'inquiète, continue. Non, vraiment, tu le dis quoi? Non, mais c'est entre secret entre elle et moi. Ok, donc il y en a un ou une qui va manger avec 100 euros aujourd'hui, donc il va être méga bien, et l'autre, 5 euros pour lui ou elle. C'est toi, c'est toi. Déjà avant de commencer, Myriam, va regarder sur Uber Eats, il y a quoi à 5 euros pour voir au moins vous faire une idée. Voyons voir ce qu'il y a à 5 euros sur Uber Eats, j'espère que c'est pas des radins. Alors, là on est dans les filtres, on va mettre 5 euros juste ici. Hey, j'espère que c'est pas des radins Uber Eats comme elle a dit Myriam. On peut avoir des nems de poulet à 5,90€, 5 nems à 5,90€, je pense qu'on peut avoir mieux. Ouais, je pense. C'est-à-dire qu'un M, c'est plus d'un euro. C'est un truc de ouf. Waouh. Là aussi, McDo, qu'est-ce qu'il nous propose? Petit wrap ranch. Ah ouais, mais c'est pas halal. Il y a les chicken McNuggets, les McNuggets 4,95€. Mais quand est-ce celui qui a 5 euros, il va pas manger aujourd'hui. T'es mal épris. Ouais. Un cheeseburger 4,55€. C'est pas halal, c'est tout petit. Oh, après, moi, je me dis, peut-être tu peux prendre des nems, ça peut passer, non? Des nems? Ouais. On va voir un dernier pour voir. On est sur un restaurant de la street. Même la street, ça c'est cher. On a des cheese nan à 4 euros. Mais des cheese nan, on est d'accord, c'est que le pain. Ouais. Ils vendent un pain 4 euros. Il y a des frites cajun 3,50€. C'est quoi des frites cajun? Ça va être compliqué. On va essayer de faire une sélection et on se retrouve. Des bouchées de camembert à 5,40€. Des bouchées de camembert? J'avais pas vu. Du camembert à 5,40€. A few moments later. On est en train de recevoir toutes les commandes. Il y en a beaucoup vu qu'il y en a un qui aura 5 euros et l'autre 100 euros. Là, il y en a une, il y en a encore deux. Alors, il y en a une qui a été volée. Je comprends pas comment en 2023, tu peux encore voler des commandes Uber Eats. 5 euros, qu'est-ce que tu vas prendre? J'ai faim. Le mec qui a volé la commande, écoute-moi bien. Non, je vais dire des trucs de ouf. On va signaler, ils vont nous rembourser, mais c'est une dinguerie de voler des commandes Uber Eats. Comment vraiment. Tu peux voler un truc à 5 euros? On a dans la vie, il faut toujours avoir un plan de secours, même si t'arrives une galère, comme ça au moins, tu peux te débrouiller. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sandwich de la Hesse pour 5 euros. Et en vrai, je crois que c'est vraiment le vrai prix parce que maintenant, ça a augmenté un peu les tranches de dinde et tout. Du coup, on va prendre du pain complet. Myriam, elle est dégoûtée. J'espère vraiment pas avoir le truc à 5 euros. On va en prendre 4, comme ça on va faire un truc. Mais non, c'est 5 euros, c'est tout, frère. Sur Uber Eats, j'avais rien à 5 euros. Un petit comme ça? Mais bah moi, oui. Non, c'est 5 euros, par contre, faut pas tricher. Ok, bah 5 euros, bah force à force celui qui a 5 euros, mais faut respecter le challenge, c'est toi qui fais les trucs. Du coup, au niveau de la sauce, on va mettre burger, un peu de burger, un peu de truc, les deux. Hey Yacine, j'ai trouvé ça, est-ce qu'on peut les prendre pour la commande à 5 euros? C'est quoi ça? Des gâteaux. Des gâteaux maison, ouais. En vrai, vu qu'ils vous ont volé votre commande du burrito, je vous l'accorde. Okay. Donc tac, on met une tranche comme ça. Ah mais je comprends pas qu'à 36 ans, vous volez encore des commandes du burrito. Ensuite, on met le fromage. Pourquoi pas voler aussi, je sais pas moi, des chaussettes? En vrai, je te promets que... Non, mais ils ont faim ici, hein. Oh. En vrai, je vous promets que le sandwich, il va être incroyable, vous allez voir. Oh, ma frère, dans la commande à 100 euros, ils ont mis deux canettes. Non, ils ont mis deux canettes. Oh, les boss. Bah, du coup, celui qui a 5 euros, il aura aussi une canette, du coup. Pour le repas à 5 euros, nous avons tout simplement le sandwich de la race que je viens de réaliser, parce que vous savez, on nous a volé notre commande. Myriam, je lui ai autorisé aussi de ramener les gâteaux, des petits gâteaux faits maison. Mais pourquoi il y a un coca? Alors, en fait, dans la commande à 100 euros, ils nous ont mis deux coca, ils sont super gentils. Ah bah tu vois comme quoi, il y a du bon dans du pas bon aussi. La commande à 100 euros, franchement c'est incroyable. On a un Big Burger Smash Burger Deluxe Chicken Barbecue Maxi Halleuf. On a des nuggets incroyables aussi, il y en a pas mal. On a des tenders, nuggets tenders. On a des frites, je crois que c'est de patates douces, ça a l'air incroyable. On a le petit coca et bien sûr en dessert, on a deux méga donuts avec un tiramisu et plein de sauces. Et franchement, celui qui va avoir cette commande là, j'aimerais dire juste un truc avant. Je mange tous les jours des salades, des haricots verts. Je suis très strict dans ma diète. Aujourd'hui, Yacine Dion fait cette vidéo-là. Elle mange tous les jours, mais vraiment tous les jours, des glaces, tous les jours des frites. Elle a mangé quick il y a quelques jours. Tu ne mérites pas. S'il y a une justice, c'est moi qui ai les 100 euros normalement. Ok, je choisis la pièce de 1 euro et toi? Elle en a rien à foutre de ce que je dis. La pièce de 1 euro, je veux juste gagner. Ok, on a une pièce de 1 euro. Le 1 euro, tu choisis le 1 euro. Ouais. Moi, je choisis derrière, il y a une tête, c'est Yacine. Je choisis Yacine. Mais je suis pas... Je vais la lancer. Si elle tombe sur Yacine, c'est moi qui décide. Si elle tombe sur le 1 euro, c'est toi qui décides. Ok. Ok. Pas de brocoli aujourd'hui, pas de sandwich de la Hesse. Je lance. Est-ce que je le mets direct ou je retourne encore une fois? Je retourne encore une fois. Et là, attention. T'es prêt, Yacine?
Vas-y, j'ai un bon plan là. Donc 1 euro c'est toi, le bonhomme c'est moi. Oui! Oui, 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 oui! Yes! 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 C'est encore mieux que marquer à la Ligue des Champions à la 90e minute. Yes! Un grand chèque! Là, hey, il y a une justice dans ce monde. Je mange des haricots verts et de la salade tous les jours. Tu manges ce que tu veux tous les jours. Aujourd'hui, c'est à mon tour. En plus, il parle avec la baffe de la faim là. Chier! Par contre, pour 100 euros, je trouve que les prix ont augmenté de malade. Normalement, 100 euros, on devrait avoir ça, ça et ça, non? Ouais. On va commencer. Myriam, je te promets que le sandwich de la reste, il a l'air bon. Teste-le. Fais-moi le Big Burger. Toi, arrête de parler, toi. Fais-moi le Big Burger. Bismillah, bismillah. Et moi? Comment c'est doux? Waouh, là je suis épanoui. Je m'en fous, j'ai le coca. Test, Myriam, le sandwich. Tu vois, j'aime bien les pains comme ça, mou. On dirait que tu manges une brioche. C'est carré. Vas-y, test, Mimi. Allahu Akbar. Bismillah. En vrai, pour un sandwich de la reste, c'est bon. Hein. Merci. Tu vois, c'est bon. Merci. Tu vois, c'est pas mal, t'as des sensations. Ça fait plaisir, tu cours vite comme Mbappé, c'est bien. Moi, c'est un burger classique. Il y a une sauce, les rey. Elle est incroyable. Waouh, maintenant, il y a d'autres choses à goûter. Ouais, moi aussi, j'essaie, ça. On va voir les nuggets. Les nuggets halal. On n'est pas au McDo. Miam. Ah, c'est halal. C'est bon, hein. Ouais, c'est halal. Ok, bismillah. Je mange mes frites. On sent le bon du poulet. Je mange mes frites. Ah, t'as pas de frites? Attends, je lui donne quelques frites, je suis pas un rat. Tiens. Que ça? Mais c'est 5 euros. C'est un rat là. Vas-y, teste les frites, Myriam. Non. Pour une fois que je suis bien. Ça passe. En plus, il y a des nouvelles sauces, regardez. Curry mango. C'est quoi curry mango? C'est de la mango curry. Et dans ce monde, la richesse, c'est plutôt pas mal. Ah, curry mango. Teste les tenders dans le curry mango, ça doit être incroyable. J'avoue. En plus, ils sont balèzes. Hein. Vas-y, teste. Ça doit être incroyable. Tu vois qu'on prend la sauce, faut bien mettre une bonne portion, sinon ça sert à rien. Ouais. Je crois que c'est pas une sauce indienne pakistanaise. Ouais, ouais. Elle est trop bonne. Genre en mode. C'est chicken chica en gros. Au début, ça pique, et après, t'as le goût de la mangue. Et après, t'as le poulet qui vient te caresser un petit peu. Les papilles gustatives, ça fait plaisir. C'est bon, hein? T'as vu, c'est super pas mal. Ce canal est dégoûté. Je te laisse tremper dedans si tu veux. Vas-y, attends. Je rigole. Il t'a tué ton truc. Moi, par contre. T'as pas essayé les frites? J'ai plein de sauces à te proposer. Parce que t'as vu, comme c'est la richesse, ils m'ont donné plein. Est-ce que tu veux mayo, ketchup, tu veux quoi? Mais Myriam, ça te sert à rien les sauces, t'as pas de frites. Mais pourquoi tu lui dis? On a encore une nouvelle sauce de la richesse, les rey, sauce tartare. Et ça, c'est que les riches dans les restaurants, ils prennent des crevettes, ils font Zama. Je voudrais une sauce tartare, s'il vous plaît. Voilà. Ah, sauce tartare, c'est pour les frites. De la mayonnaise. Teste les frites avec la sauce tartare. Elle est balèze, hein. On va voir la sauce tartare, elle met des tartes. Ça, c'est la sauce préférée de Omar. Ah ouais? Moi ouais. Aussi, c'est ma préférée. Ça a le goût de la richesse, je vous promets, ça a le goût de la richesse. Laisse-moi sentir. Je peux goûter? En fait, c'est de la mayonnaise de riche. Mmh. C'est une dinguerie de faire ça, vraiment. La mayonnaise de riche. Elle est... se la raconte. Je me la raconte pas. Si. C'est quoi? Vu que je l'aime bien, c'est ma petite sœur. On fait un pierre-feuille-ciseau. Si tu me bats, t'as le droit de prendre un truc de ton choix. U. Quoi? Un pierre-feuille-ciseau que tu sais. Un truc que tu veux. Vas-y, go. Pierre-feuille-ciseau. Ah, elle a gagné. Myriam, prends ce que tu veux. Tu choisis quoi? Attends, mais réfléchis bien, parce que regarde, t'as des donuts, t'as un tiramisu, non, t'as des... Non, mais pas les trucs sucrés, pas les trucs... T'as dit ce que tu veux, Younes, dans la vidéo. T'as le burger, t'as les tenders, prends ce que tu veux, Myriam. En vrai, je sais pas, parce que j'ai ça... Pendant que tu réfléchis, je tape un croc. Dans, je voulais tester la sauce tartare avec les... Avec en ça. Vrai, ça. Alors, du coup... J'aimerais bien goûter... Faut faire un choix, Myriam. Vous auriez pris quoi? J'hésite entre les deux. Quoi, le burger? Elle a pris le burger. Vas-y, teste le burger. Bismillah. J'ai tapé qu'un croc, deux. Il est pas grave fondant et il est pas grave doux. Moi, je le garde. Ça, je sais. J'ai grave le seum. Je pensais qu'elle allait me dire, je vais prendre une petite nugget. Bah, t'as voulu jouer, t'as perdu. Oh, c'est trop. On va attaquer le donut.
saveur. T'imagines dire après tous ces donuts. Est-ce qu'il est fourré? Je sais pas, ça c'est la surprise du chef. Normalement c'est la richesse, il est. Tu sais que Myriam, toi aussi t'as ton sucré là-bas à droite, hein. Ça a l'air incroyable toi aussi Myriam. Il est au poids, il est lourd. Celui-là il a l'air incroyable. Vas-y, teste Younes, teste du donut. Il est fourré. What? Regardez, attends, je fais un focus. Incroyable. Oh, je vous promets, c'est le meilleur truc. Oh, ça me donne grave moelleux. Vous savez, c'est à quoi la crème? Ouais. C'est au Kinder. Tu vois, wow, le Kinder qui est là. Ça va être une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie. Et toi, Myriam? Regarde là-bas, il y a un papillon. Non, arrête. Genre comme Carna. Et ça, c'est à quoi? Bah, c'est au chocolat. Est-ce que c'est au chocolat rassis? Le chocolat, il est rassis? C'est pas ce que ça veut dire, rassis. Oh, si celui-là, il est fourré au chocobon, je pète un câble. Vas-y, imaginez les fourrés au chocobon. Essaye. Imaginez dans 2 secondes, Myriam a lui fait. Oh là là, regardez. Il est fourré à la crème pâtissière. Cool. Oh, c'est une dingue. Il y a de la crème pâtissière dedans. Ah, Yacine, t'as eu la meilleure idée. Oui, j'ai eu la meilleure idée parce que t'as gagné, mais si je t'aurais perdu. Si j'aurais perdu, j'aurais trop la rage. Vraiment, je crois que j'aurais rage quitte la vidéo. Et après, il y a un tiramisu là. Oh là là, en plus, je crois que c'est un tiramisu maison. Théma. Par contre, ils auront dû mettre une cuillère en or. Bah non, pas. Ah non, c'est interdit de manger avec des cuillères en or. On va essayer d'avoir toutes les couches. Le tiramisu, par contre, c'est pas ouf. Hein. Non, celui-là, il est ouf. Ah ouais? Il y a Oreo, Nutella, les gâteaux des bébés, c'est un truc de malade mental. Mmh. En vrai, je sais pas si je partage avec elle. Parce que moi, j'ai toujours dit, faut partager. Non, je rigole, les gars, s'il vous plaît. On va faire un petit dernier combo. J'ai pas goûté les frites. On va prendre des frites avec de la nuggets. Eh, j'ai la haine, j'ai pas d'hamburger. Bah, tu sais quoi, la prochaine fois où je gagne, je te partage même pas un truc. Mais t'as passé de rien. Burger, frère, sois content. Peut-être que si j'ai ça, je te partagerai ça. Mais par contre, mon truc préféré de tout ça, c'est ça, les frères, je vous dis la vérité. Hein. Tenders. J'aurais dû prendre ça. C'est trop bon. J'aimerais bien qu'elle nous goûte ça. Des fois, les gâteaux les plus. Pas moches, mais les plus moins beaux, c'est les plus bons. Vas-y, teste Mimi. La tartelette au. T'es pas la tête qu'elle a. On dirait une tarte d'Halloween. C'est une tartelette au. Je sais pas quoi. Tiens. C'est une tête de lapin qu'ils ont mis dedans. Dis le semaine d'air. Oh, ça a l'air incroyable. En vrai, ça, elle a l'air d'être bonne. Hein. elle est éteinte. Tiens. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle a un goût. Bah, c'est ça, 5 euros après. Alors? Dégueulasse. Du coup, n'hésitez pas à mettre un like pour que la prochaine vidéo, Myriam, elle se venge. On dirait qu'ils ont mélangé de l'herbe à une pomme pourrite, elle a dit. Voilà, famille, moi je vais manger tranquillement, je vais déguster ça, ça fait plaisir. N'hésite pas à refaire des défis comme ça fait franchement plaisir. Bah, si on arrive à 5000 likes, on refait un épisode 2. Incroyable.